Une entreprise d'Aubagne recycle les conteneurs maritimes pour en faire des logements. L'unité de transformation est installée à La Ciotat et emploie une quinzaine de personnes. En 2 ans, la société LVD Energy a déjà livré des appartements ou des bureaux conteneurs à Lyon, Marseille, Grenoble et bientôt à Paris. Christian Péchy, Fabien Madigou. Fabrication de pré-cadres avant-postes de menuiserie, cela va servir à créer la fenêtre du conteneur. Lui, c'est le directeur technique. Il est chargé, avec ses ouvriers, de la découpe de la boîte en fer et de tous les travaux qui vont lui redonner du lustre. Il y a de quoi faire. Ça fait 20 ans que ces conteneurs voyagent en mer. Celui-ci est quasiment terminé. Reste l'intérieur. Tout ce que vous avez dans un appartement classique, vous l'avez à l'intérieur du conteneur. C'est du second œuvre. C'est de l'isolation, de la laine de verre, de la laine de roche, du BA13, du placoplâtre. Mais pour LVD Energy, à l'origine des travaux, l'essentiel de la construction modulaire concerne l'habitation bon marché. En 2015, à Lyon, elle livrait 10 logements sociaux à Habitat et Humanisme pour le plus grand bonheur de la locataire. C'est une très jolie maison parce que moi, au début, j'étais au foyer. Il y a une très grande différence. C'est vrai qu'on le voit du dehors comme un conteneur, mais à l'intérieur, comme une maison, comme toutes les autres maisons. C'est à Aubagne, à la Varap exactement, qu'est née l'idée, dans une entreprise d'insertion où l'on se soucie de la place des hommes et de leur accès à un toit. Pour cela, il fallait construire moins cher. C'est chose faite. L'intérêt, c'est de pouvoir produire un véritable logement, moins cher, mobile, rapidement constructible et modulable. Et tout ça en utilisant des matériaux soit qui sont des déchets, comme le conteneur fin de vie, soit des matériaux biosourcés. Prix du mètre carré, 1100 euros hors taxe, soit 30% de moins que pour les constructions habituelles. Alors qu'on manque de logements sociaux en France, le conteneur recyclé devrait avoir un bel avenir.